Bonjour à tous, et eh bien ce dimanche j'ai fait des efforts pour trouver le tocard, je l'ai déniché hein, à plus de 50 contre 1. Katusha, j'étais chaud. En fin de vidéo, je vais vous dire, vous mettre la vidéo que j'ai postée à mes abonnés des pronos du cœur. J'insistais sur Katusha, et quand je vous disais que j'étais le seul de la presse à vous le donner, je vous montrais bien le tableau où, dans le grand journal des courses, avec la sélection des meilleurs pronostiqueurs de France, le cheval Katusha était abandonné. Maintenant, je sais qu'il y a tellement de pronostics sur ces terres que forcément, il y en a d'autres qui donnaient le 2, mais je prends en référence la liste type de la presse spécialisée. Eh bien, la presse spécialisée ne donnait pas ce numéro 2, et moi, j'étais chaud avec lui. Maintenant, The Laureate nous a quand même cassé la baraque, mais mon coup de cœur pour les pronos du cœur et le cheval que je vous recommandais, notre Lyonnais, le 16 Pump Pump Junior, a bien, très bien couru, puisqu'il finit dans le quintet à 17 contre 1. Maintenant, je vous emmène dans le sud-ouest, un hippodrome que je connais. On avait rayé un peu la voiture, mais il y a pas mal d'années en allant sur l'hippodrome, donc je m'en souviens encore. Beaumont-de-Lemagne, ce lundi, où pour moi, il y a un soleil qui vient du midi de la France, côté Côte d'Azur. Le 6, Hot Summer, Roubaud vise la course, il est confiant. Je suis un fan de Frédéric Clausier, donc je n'hésite pas une seconde, je le mets en tête. Et puis Guimauve d'Hanover, eh ben, je suis gourmand. Donc ce 5, on le croque avec beaucoup de plaisir. On tient visiblement les deux chevaux de la course. Après, derrière, le 13 Frenchman est chuchoté. Beaucoup pensent qu'il va gagner, mais c'est un cheval qui n'a pas l'habitude de gagner, donc je le mets placé. Et puis Festif Charmant, qu'on connaît dans les quintets, le 15, trouve un lot largement dans ses cordes, et puis il vient de briller en Hollande, le pays du fromage, mais aussi le pays où il y a quelques bonnes courses. Donc il est estimé pour avoir fait un aussi long voyage et de revenir comme Sestuila, pour ceux qui suivent et qui aiment la poésie, eh bien il nous revient pour ce 15, compléter la bonne arrivée du quintet. Et puis il nous met trois mousquetaires, hein, Roubaud. Donc je me dis que la surprise peut venir de son D'Artagnan, qui reste en base arrière, puisqu'il rend 25 mètres par rapport à ses compagnons de boxe. Le 7, Gino Tosca, est un bon cheval. Il fait sa rentrée, mais il est bien et il pourrait surprendre d'entrée. Il y a des chevaux comme ça, ils sont tellement bons que même s'ils rentrent, eh ben, ils sont là quand même. Donc je pense que ce 7 est à surveiller. C'est loin d'être un coup sûr parce que cette course n'est pas son objectif. Il est dans le camion parce que les autres y vont. Et il a dit moi aussi je veux y aller, j'ai envie de me dégourdir les jambes. Donc il est tout content et il va se dégourdir les jambes. Et comme il est tout content et que c'est un cheval qui adore courir, et nous aussi on est content d'aller courir sur les hippodromes, et ben sa joie, son enthousiasme, sa bonne humeur peut faire la différence et il peut corser les rapports à 20 contre 1. Et puis je termine avec le 4 Jada qui est complètement barré au papier, mais c'est un cheval qui ronronne, qui est de tous les combats et son courage mérite récompense. Et puis je vous ai trouvé un tocard, hein. Souvent on dit vous cherchez, on peut chercher la fortune sous les sabots d'un cheval. Regardez sous le sabot du numéro 2, c'est fortune. Pourquoi pas Charlot est représenté doublement. Et moi j'adorais, comme beaucoup, quand j'étais petit, Charlie Chaplin. Il a été quand même l'un des premiers comédiens du cinéma à marquer de son empreinte et de ses moustaches le patrimoine mondial de l'humanité. Eh bien, on tourne la canne et on va jouer Charlot avec ce numéro 2 fortune et j'espère qu'on va la toucher la fortune. Chiche. Et Madame Colombo, parce que j'ai oublié de vous citer un cheval qui est en 5e position, oups, c'est le 3 Gris-Gris du bonheur. Pourquoi je l'ai gardé pour la fin? Parce que c'était le cheval de Madame Colombo et quand elle a vu que c'était mon coup de cœur, juste pour m'embêter, elle nous a mis au dernier moment en enivrant le 9. Ah tiens. Alors, partie de bras de fer entre moi et Madame Colombo, vous le savez, elle est en grande forme, très grande forme cette semaine. Donc, pour résumer, vous avez vu le déroulé de ma sélection. Gris-Gris du bonheur va vous porter bonheur en étant en 5e position dans ma sélection. Et puis, on va finir par un petit cheval mystère pour l'énigme du jour.
c'est un élève de Sa Majesté. Alors, Sa Majesté, on disait à l'époque, maintenant, c'est son roi. C'est un agent qui n'est pas avec son bon numéro. C'est l'agent 002. Qui est-il? À vous de le découvrir. Et puis, je termine mon choix avec le 2, Katusha. Katusha qui est ma trouvaille, qui est mon tocard déniché. Si dans la presse écrite, on ne voit pas les propos de Fabrice Vermeulen, moi je les ai eus. Fabrice Vermeulen dit, et j'ouvre les guillemets, mon cheval est en forme. Voilà. Et donc, il teste, Vermeulen dit bien, cette course est un test pour savoir s'ils ont raison de l'engager sur les programmes de Quintet. Mais le cheval est en forme, donc Vermeulen veut tester son cheval avec Mandizabal sur le dos pour savoir est-ce que mon cheval a vraiment bien, comme je le pense, la pointure quintée. Et moi, comme je sais que le cheval est en forme, je me dis « Oh là là, attention danger, ce de Katusha, c'est vraiment ma découverte, mon tocard déniché derrière les fagots ». C'est risqué, mais Katusha, regardez quand même ses performances, elle vient de décevoir sur le sort. Précédemment, elle est cinquième à Marseille-Borély, mais elle bat Indian Pacific, roi des quintés, et elle bat Bakshi Sarai, qui a fait l'arrivée cette année de quintés. Donc, la ligne est bonne, à Marseille, elle bat deux bonnes valeurs quintés. À Lyon-Paris, le 20 mai, elle bat Memory Dream, bonne valeur handicap. Et à Longchamp, le 9 avril, son entraîneur l'estime, il la court au niveau listed, au niveau supérieur, dans l'hypothèse de lui faire prendre du blacklist, du caractère gras. Et surtout, preuve de son estime, elle court aux Émirats Arabes l'hiver dernier, des courses de groupe 2. Elle finit 6e sur 8 et 8e sur 12. Vous vous rendez compte, elle a été assez estimée pour aller là-bas. Bon, elle y a déçu, mais je me dis, attention, il y a combien de chevaux qui ont été aux Émirats dans le peloton? Hein, combien? Pardon, une. Ouais, c'est Katusha. Donc c'est bon, je vais vous mettre, c'est mon tocard déniché, et je vous la mets en deuxième coup de cœur, annoncée à plus de 30 contre 1 par la presse écrite. Eh bien, je pense qu'elle peut vraiment surprendre. D'ailleurs, tenez-vous bien, Katusha est abandonnée dans la liste type de la presse. Aucune citation. Aucune citation. Rubrique abandonnée. Tocard déniché et coup de cœur de Jean-Marc Roffat. Voilà, vous voyez comme quoi je fais de gros efforts pour vous trouver des tocards. Mais quand je trouve un tocard, vous venez de l'entendre. C'est pas du hasard. Le hasard, c'est la méthode de Madame Colombo. Elle ne fait pas le papier et tout, ça c'est le hasard. Mais moi, quand je vous déniche un tocard, j'ai mes raisons de le dénicher et je viens de vous en faire la preuve.